Bonjour Gaïa, bienvenue au monde. Tu es ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Tu as été créé pour une mission très importante. Tu vas piloter un vaisseau spatial pour rapporter un soleil de Alpha du Centaure, car le nôtre est en train de s'éteindre. La survie de l'espèce humaine dépend de toi. Tu as accès à l'ensemble de nos connaissances, et je répondrai à toutes tes questions. J'ai composé cette musique spécialement pour toi. Chaque note t'aidera à développer tes idées plus clairement lorsque tu en auras besoin. Bon courage, j'ai confiance en toi. Commandant, j'ai une devinette pour vous. Commandant, John, vous êtes là? Bon, où je l'ai mis l'autre? Non? Non? Ah, le voilà. Bonjour, majestueuse Gaïa. Bonjour, John 2. Je suis à votre service. Écoutez celle-là. Quel est le point commun entre un poussin et un petit pois? Je dirais un ascenseur. Quoi? Nous venons de recevoir un message de la planète Terre. Oui, commandant. Le message a été envoyé il y a 2 ans, 3 mois et 5 jours. Oui, salut John. J'ai pu voir les derniers relevés. Bon, la radioactivité est un peu élevée, ok, mais ça devrait tenir bon. Il faut que je te dise, John, c'est la merde. C'est la merde. Pour te dire, les gens ici, ils sont devenus complètement fous depuis le refroidissement du soleil. Et puis, il y a eu une élection présidentielle le mois dernier. Et le président qu'ils ont élu, forcément, il est à leur image. Il a fait passer des textes de loi qui décrètent que la Terre est plate et que la recherche scientifique, c'est de l'intox. John, il a demandé l'arrêt immédiat de la recherche spatiale. C'est la fin. C'est la fin, John. Je sais pas si le satellite fonctionne encore. Commandant, nous venons de recevoir un message extraterrestre. Ah. Au fait, bon anniversaire, Gaïa. Oh, merci, c'est gentil. Mais, au fait, commandant, pourquoi un ascenseur?